Sa Majesté le Roi accorde sa grâce à 637 personnes à l'occasion de l'anniversaire de la présentation du document réclamant l'indépendance. À l'occasion de la commémoration de la présentation du document d'indépendance, Sa Majesté le Roi Mohamed V, que Dieu l'assiste, a accordé sa grâce suprême à un groupe de 637 personnes, dont des détenus et des libérés, qui ont été condamnés par les différents tribunaux de l'honorable royaume. Voici le texte de la déclaration publiée par le ministère de la Justice à cet égard, à l'occasion du glorieux anniversaire du 11 janvier de cette année 1443 à 2022 après J.C., Sa Majesté le Roi, que Dieu le bénisse et lui accorde force et victoire, a émis son ordre suprême et obéissant de gracier un groupe de personnes, y compris des détenus et ceux qui sont en état de libération, qui ont été condamnés par les différents tribunaux de l'honorable royaume, et leur nombre est de 637. Ils sont les suivants. Les bénéficiaires de la grâce royale en état d'arrestation sont 500 détenus répartis comme suit. Grâce pour le reste de la peine de prison ou d'emprisonnement au profit de 22 détenus réduction de peine d'emprisonnement ou d'emprisonnement au profit de 473 détenus conversion de la réclusion à perpétuité en prison spécifiée au profit de 05 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en état de libération sont 137 personnes, réparties comme suit. La grâce de la peine de prison ou ce qu'il en reste au profit de 52 personnes exemption de la peine de prison avec maintien de l'amende pour 05 personnes. Le pardon de l'amende au profit de 77 personnes. Le pardon d'emprisonnement et d'amende au profit de 03 personnes. Total global, 637. Que Dieu préserve notre maître allemand sur en Dieu comme un trésor et un refuge pour cette nation, et une source de miséricorde et de miséricorde, et il a rendu de telles fêtes à Sa Majesté avec victoire et puissance, et ses yeux ont été approuvés par le prince héritier, son Altesse royale le prince de Galilée Moulay et Lassan et tous les membres de l'honorable famille royale qu'il est audit et responsable, et la paix.